Merci. Nous remercions à mon vieux Dada Bemabou en première position. Il vient de nous donner maintenant l'explication ce que c'est la sorcellerie. Dada vient de nous montrer, il vient de nous éclaircir maintenant que la sorcellerie existe. Mais tel que la sorcellerie existe, il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Non, la sorcellerie existe réellement. La sorcellerie, c'est comme un vent. C'est un esprit. Et ceux qui ne taillent pas d'importance sur ça, ça leur fait du mal. La sorcellerie, quand on parle de la sorcellerie, vous allez savoir en même temps que lorsque vous avez un problème, et si vous cherchez la solution pour ça, très simplement, vous allez trouver. Ce qui voulait dire que s'il y a la sorcellerie là, c'est... Bon, prenons maintenant l'exemple d'une arbre. Si vous ne voulez pas que ça va élargir trop pour nous déranger, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de couper ses branches. C'est comme ça. Lorsque il y a la sorcellerie, vous cherchez en même temps la solution de pouvoir commencer par caler pour que ça ne vous dérange pas. Vous allez commencer par utiliser les contres. C'est les contres qui sont les cas que vous pouvez donner. Cela voulait dire que lorsqu'il y a la sorcellerie à quelque part, lorsque la sorcellerie vous dérange là, vous devez chercher la solution. Vous devez chercher les contres pour que ça ne va pas vous déranger. Parce que nous avons mené les tirs dans un foyer, tant même dans une famille, mais depuis mon ami famille, il y a de l'autonomie, il y a de l'autonomie. Donc, il y a de l'autonomie, mais depuis complet, il y a de l'autonomie. Et d'abord, il fait des bonnes choses, il y a de l'autonomie, il y a de l'autonomie, il y a de l'autonomie. Et d'abord, il y a de l'autonomie, mais on doit y tomber dans sa mère, à quasi rien de y tomber dans une tête. Donc, si ils ont pas tant comme étant là, ils devraient avoir solution à leur nom. Nous devons continuer nos comptes dans la haut. Si ils ont fait tout, mais ils ont mon asion, nous sommes contents. Bon, puis, mais la soli, mais moi, soli, wa, bah, surtout, il y a quand dit. Bon, quand tout est calme, pour vous, il y a aussi un sommet fort. Nous demandons de nous, tu vois, il y a un sommet, alors, il y a un caca, tu vois, il y a un sommet. Alors, quand on a un coup d'eau, il y a un sommet, 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 il y a un
vient de nous exercer encore que la sorcellerie, c'est un esprit. C'est l'esprit. Il y a des gens qui disent que si la sorcellerie les dérange, ils vont fuir dans le pays pour aller à l'extérieur. N'importe où la personne va passer dans sa vie, si effectivement la sorcellerie dérange la personne, il peut aller en France. La sorcellerie est toujours avec lui. Il peut aller n'importe où. Tel que la sorcellerie le dérange, c'est sous forme d'une caméra cachée, spirituellement. Et par où la personne va passer là, la sorcellerie est toujours avec lui. Il va toujours garder les choses sur lui-même. Ce n'est pas pour rien. Dagmamou vient de nous donner l'éclaircissement, vient de nous donner la compréhension tout à l'heure, soit en disant qu'on voit des gens aujourd'hui, avant d'aller dans leur service, ils vont boire de l'alcool. Ils vont être tellement saoulés avant d'aller au service. Des fois, leur patron les renvoie sans rien faire. Ce n'est pas simple. Savons-nous en même temps que c'est la sorcellerie qui fait tout ça là. Et si ça fait des choses comme ça, qu'elles sont faites avec tous ces problèmes, nos parents, nos aïeux ont cherché une solution. Vous dites que tel problème existe là, nous devons chercher aussi la solution pour ça. Et par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché les contres. Ce que nous pouvons faire pour les caler. Ce que nous pouvons faire pour que ça soit être le contre des sorceries là. Nos aïeux ont cherché. C'est pour cela qu'on dit que si la sorcellerie dérange quelqu'un là, tu n'as qu'à chercher la solution pour ça. Bon, dès les catignons, depuis qu'on y a zéro, nous n'avons pas de nous clore, il y a même fini. Quand on y a un homme, il y a un homme qui a un mauvais esprit, alors pas de bon esprit, il y a un bon, mais de l'étin, bon, fille et mal d'or, il y a un homme qui a un homme qui a un esprit de l'étin, au fin, bon, il y a un homme qui 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 a un homme Chers auditeurs, chères auditrices, notre père Dagmamou vient de nous faire comprendre tout à l'heure que il y a dans leur foyer, il y a certains foyers et ils disent que la sorcellerie les dérange. Mais il y a quelque chose encore qui n'est pas la sorcellerie. Peut-être il y a un esprit mauvais dans sa famille. Maintenant, là où on ne doit pas parler, là où on ne doit pas appeler le nom d'un être humain, à ce niveau, on a appelé le nom de la personne. Ou soit, là-bas, on ne doit pas parler mauvais. Maintenant, la personne ne sait pas. À cet effet, il a parlé mauvais. Cela cause maintenant des mauvaises choses dans la vie d'un être humain, sans que nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Notre père Dagmamou vient de nous faire comprendre que lorsque tu es un homme
et tu voulais épouser une femme. Maintenant, là-bas, tu ne dois pas parler. Prenez part devant cet esprit. Maintenant, vous avez parlé. Ce que vous ne devez pas dire, vous avez dit devant ce mauvais esprit-là. Il va rapidement rentrer dedans et commencer par gâter. Si tu es l'homme ça, et tu veux épouser une femme, ou soit tu voulais réaliser quelque chose dans ta vie, ça commence par gâter comme ça. De même pour la femme aussi. Lorsque tu es une femme, tu voulais marier un homme. Et là où tu as parlé mauvais là, tu ne dois pas parler mauvais à cet effet-là. Maintenant tu as parlé et ils ont rentré dedans, ça commence par gâter. Tu vas voir que le mari là, tu ne dois pas le marier. C'est comme ça. Maintenant, si vous avez les problèmes comme ça, et si vous venez chez notre père Dada de Mamou, il va appeler directement votre propre écran, votre propre esprit qui est sur vous-même. Il va appeler. Demandez ce qui ne va pas. Voir ce qui ne va pas dans vous-même. Peut-être il y a quelque chose que vous ne devez pas manger dans votre vie. Il y a quelque chose que vous ne devez pas porter. Un habillement que vous ne devez pas porter. Parce que vous êtes né à tel jour. Vous ne devez pas porter l'habillement là. Mais vous le portez. Il va vous dire en même temps de ne plus porter ceci ou de ne plus porter cela. Maintenant, si vous voulez contacter notre père Dada de Mamou pour avoir plus de compréhension, vous allez contacter notre père Dada de Mamou sur son numéro plus 228 90 93 68 12 ou plus 228 99 42 70 45. Vous aurez plus d'éclaircissements. Ah, nous tiens le dos. Ça fait bien la chanson. Oh. Tovi, tosi, miton lè. Banakam, banakoum. Aïgwen, ekbe tomen do. Aze, nabika, ne do. Aïgwen, ekbe tomen di. Don, nous go, aze, yo. Nte mwe, eka, nyadi. Ye, babou, na toum do. Aïgwen, ekbe tomen. Oh, nous, emina, do. Nous, tovi, tosi. Lè, du kou, ye, wè, indo. Nous, de te. A, tiè, lo, te, yo, me, de do. Oh, a, ma, son, ye, di, ba, wè. Ba, wè. Me, de do, go, do, ton, pa, wè. Mais les cartes sont Bon, quoi, better le poids, nous comptons, oui, si. Nous comptons, si, oui. Si, oui. Si, ma déa, better sinon, béa. Si, ma déa, better sinon, béa. Nous t'es caillé, si, on fait des signes, bon, gossin. Dis, oui, bon, gossin. Bon, mineur, faut donc être du gossin, fille, non, mais wa comme, nous, et dit, bon, mais déa, et dit, ouais, le dos, dit, nous, tous les, nous, mineur, oui, nous, better, non, si, ça, donc, même, on, oui, dit, oui, aïe, pou ba mewe, non gossi. Et non gossi, fi de goupé de pou, aïe, pou ba mewe, non gossi. Bon, mino, mi, de la mino, il aura fondu sa bata. Fi, fondu sa bata, ton fondu. Fi, aïe, koswa, si, kon tonne, ne. Et manna ou ya, na boua. Si doua. Et manna ou ya, si doua. Eh, ne. Bon, atongo, e wè, jor homiton. Et non gonti. Et non gonti, jor homiton. Nou, lou, e wè, ben, bon, se do, du kou, y de me, da, bou, y de me. Nya, nya, ou, l'homon, de me. Bon, on a une vidéo. Moi, ton élève est en fait tout. Moi, ton élève, oui, 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 oui,
à dissiver à Mioya. Quand à mon bipi, dès qu'on peut au pitou, il va mon bipi. Il y a mon bipi, dès qu'on va avec lui, à mon bipi, vous l'êtes connu. Avant de voir, toi, à toi, il est connu. Eh bien, nous, oui. Vovo, nous, y a un pied. Aze, minoyolo, aze, voene, aze, veo, et donc, un plaidon, nos os, mettons, et nos fumères. Et donc, vous et alors, des trucs, béton, quoi, c'est une blague, puis. Ah, mais béton, c'est une bézamblée. Bézamblée, à l'autre des bonhommes, et les gens, tu parles encore, oui, tout est, puis, anti-blé-blé. C'est bon, voilà. Et les anti-blé-blé. Assigné, yo, parce que, et alors, permet qu'on ne pas avoir fait des. Bon, il y a, et alors, permet pas, avec John. Et alors, permet qu'on ne pas avoir fait des. Oui, nous, n'y a rien, photo, d'abord, pour, et y'a tout, les voix. Et y'a, et béton, donc, pour tout, et nous, fier, et m'a donné à yo. On bon, et y'a bien, mais on a signé, il y a et il oui, oui, et non, vous m'aidez, et y'a ce jaoué, nous, et bledo, et n'a oué, et n'a et j'ai tout, et n'a oué, jaoué, et donc, il m'aide, vous avez, ah non, moi, j'ai tout, et n'a pas tout, et n'a oué, et n'a pas tout, et n'a pas tout, et n'a pas tout, moi j'ai mis nom et l'offre vu le mitan. Et Kadoana. Je remercie encore chers auditeurs, chers auditrices. Directement, je remercie monsieur le chef journaliste d'avoir nous posé cette question pour que nos auditeurs et nos auditrices auront de compréhension. Da Togbe Dagbemangou vient de nous donner l'éclaircissement tout à l'heure. Soit en disant que on dit que la sorcellerie existe. D'autres disent que ça existe jusqu'à 41. D'autres disent que c'est 82. Non. Que la sorcellerie, ça existe. Mais c'est toi qui existes. Prenons l'exemple de paille que nous portons. Vous allez voir, il y a le paille blanc. Il y a le paille rouge et il y a le paille noir. C'est l'exemplaire de la vie. C'est l'exemplaire de la sorcellerie. Il dit que si nous prenons maintenant le paille blanc au côté de la sorcellerie, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie blanche. C'est ça, la sorcellerie blanche. La sorcellerie blanche, ça ne tue pas l'homme, ça ne tue pas un être humain. Si tu es un être humain, tu as la sorcellerie blanche. N'importe où le malheur va quitter pour venir chez toi, tu dois trouver. N'importe où le malheur va quitter pour venir chez toi, tu dois trouver. Si quelqu'un pense mal de toi, s'il pense de bien, avant de venir chez toi, là, tu dois le trouver. C'est la sorcellerie blanche, ça. Ça repart, ce qui est gâté là, lui, ça essaie de réparer. C'est la sorcellerie blanche, ça. Prenons le côté rouge. Rouge, c'est la sorcellerie rouge. Lui, n'importe où, lui ne mange pas l'homme. Il ne mange pas l'homme. Lui, son travail, n'importe où tu dois être dans la vie. Tout ce que toi tu as, ça peut être la construction que toi tu as fait dans ta vie. Tu peux acheter le village. Lui va détruire tout. Si quelqu'un, là où la sorcellerie rouge est, si quelqu'un ne sait pas, il a pris part de ce côté, il a parlé de toi. Lui ne sait pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Si tu parles de son côté là, lui va garder. Ce que toi tu peux dire de son côté, lui va garder. Et il va rentrer dedans en même temps pour commencer par garder. La personne peut penser bien ou soit mal de toi devant lui. Lui va commencer par garder tout ce que toi tu as dans ta vie. C'est comme ça lui fait. Ce qui est en bas, c'est le noir, ça. Prenons l'exemple de paille noire. Si nous prenons le paille noir, c'est la sorcellerie noire, ça. Lui, il ne fait que de tuer. Si la personne a la sorcellerie noire, si on amène ton problème vers lui, lui ne va pas demander si la personne a raison ou pas. Lui doit tuer. C'est lui son travail, ça. Et de tout ça, nous allons prendre l'exemple. Les trois couleurs que nous venons de dire maintenant, c'est sur les trois couleurs là, c'est-à-dire notre monde, lequel nous sommes là, c'est sur ça à baser. Le blanc c'est quoi? C'est le rose, c'est le ciel.
Et c'est l'eau ça. L'eau que nous buvons, ça quitte où? Ça quitte au ciel. Maintenant, si ça tombe, ça tombe sur quoi? C'est sur la terre, ça tombe. Le ciel dont on parle, quel est son nom aussi? C'est notre tonneur ça. C'est le tonneur qui est le ciel. La terre sur laquelle nous passons souvent, nous marchons sur elle, c'est quoi? Dans leur, ça, son propre nom, on appelle ça formellement Sapata. C'est un fétiche. C'est Sapata. Aïrosu, c'est Sapata. Maintenant, n'importe quelle nourriture que nous allons manger dans notre vie, la personne doit avoir la faim. Maintenant, tout ce que nous allons manger dans la vie, ça doit provenir du sol. Ça doit provenir du sol. C'est comme ça. Maintenant, si ça vient là, nous devons manger. Quoi qu'en soit, nous, l'homme doit manger. Même les animaux aussi, nous devons manger. Si les animaux ne voient pas de l'eau, ils ne peuvent pas vivre. Si les êtres humains, nous les êtres humains ne voient pas l'eau, nous ne devons pas vivre. De même, si nous ne mangeons pas, nous ne devons pas vivre. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est le vent qui souffle. Le vent qui souffle, c'est aussi le fétiche. C'est ça qui nous donne aussi la vie. C'est ça qui nous donne aussi la vie. Tombe vient de nous faire comprendre aussi que ça, d'autres appellent ça le serpent. Le serpent. Si le serpent veut venir ici maintenant, le vent va commencer par souffrir. On dit c'est un ouragan. Le vent fort. Vous allez savoir en même temps que lui-même veut venir ça. Vous voyez, son propre nom, c'est le serpent. C'est le vent ça. Vous voyez, donc c'est comme ça. Notre monde sur lequel nous sommes, c'est basé sur trois choses fondamentales là. C'est ça, chers auditeurs et chers auditrices. Chers auditeurs, chers auditrices, notre père Daa Dagbemangu vient de nous donner plus d'éclaircissements encore que si tu es un homme, si tu es un être humain dans la vie, tu veux vraiment avancer dans ta vie, quel est, sur quel pied tu dois avancer? Il est nécessairement d'appeler ton propre esprit, ton propre écran comme ça, ton propre écran pour lui demander, pour savoir quelle voie tu dois prendre dans ta vie, quelle voie tu dois prendre pour avoir de l'évolution, pour avoir de l'avantage. Peut-être il y a des gens qui vendent, des gens travaillent, mais s'ils gagnent leur propre fonds comme ça, s'ils gagnent l'argent là, ça ne dure pas dans leurs mains. Ce n'est pas pour rien. Voilà que l'air qui, le vent qui souffle, c'est un vent mauvais. Il ne sait pas, il a parlé, des il y a des choses, il a fait, et ce n'est pas normal. Ils ont rentré dedans en même temps pour commencer par gâter ses bonheurs. Nécessairement, la personne doit consulter, doit appeler son propre écran, son propre esprit pour lui demander ce qui ne va pas dans sa vie, pour avoir du bonheur dans sa vie. C'est comme ça. Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie beaucoup. Bien avant ça,
Je vais essayer de donner encore une fois de bonus à chers auditeurs et chers auditrices. D'après tout ce que nous venons de dire d'abord, si vous voulez avoir plus de compréhension, vous voulez bien vrai avancer dans votre vie, essayez gentiment de contacter notre père Dagbemamou sur son numéro plus 228 90 93 68 12 ou sur son numéro plus 228 99 42 70 45 pour avoir plus de compréhension. Dans le capoté de l'homme qui est le bon. Et la tête, c'est un peu la douleur. Bon, allô 99 42 70 45 10 bon c'est tout là des jurons les deux bon ouais waouh et là d'attendre bangoué pour les coins ouais j'ai d'autres trucs ouais yo assez et mais à l'étino présentement yo assez bon et quand les bonnes exemples do et jawéou ndé guari bon ouais ma canoa c'est tout là dans l'île guari ouais ma canoa bon là yo sous ouais. Chers auditeurs, chers auditrices, tous ceux qui sont à l'écoute de notre voix à cette heure, notre père Dagbemamou, celui qui nous donne l'éclaircissement sur notre propre vie, vient de nous faire comprendre que si tu es un homme, tu veux bien vrai avancer dans la vie. Voilà que tout le monde crée leur société. Ils ont leur place de vente. Maintenant, pour les autres, ça donne de la richesse à eux autres. Ils ont trouvé de l'avantage dedans. Mais pour toi, ça ne va pas. Pour toi, c'est rien que de reculer. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Fais tout possible pour qu'on appelle ton propre esprit comme ça. Ton propre écran, il faut qu'on appelle pour lui demander des paroles. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que toi-même tu ne sais pas, tu es en train de faire? Et c'est de malédiction pour toi. Qu'est-ce que toi-même tu as ouvert ta propre bouche comme ça et tu as dit? Qu'est-ce que tu manges? Voilà que toi, tu es né sur tel jour. Maintenant, tu ne dois pas manger la chose-là et tu es en train de manger. Si vous avez des problèmes comme ça, tu es un homme. Et il n'y a pas d'évolution dans ta vie. Ta société n'a pas d'évolution. Ta marchande ne coule pas. Nous, qui sommes là, qui sommes à l'écoute de la voix de notre père Dagbemamou aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous tous. Contactez très gentiment notre père sur son numéro plus 228. 90 93 68
12 ou plus 228 99 42 70 45. Excusez-moi, je vous répète encore. Plus 228 90 93 68 12 ou 99 42 70 45. Merci, monsieur le journaliste. Thank you.